Je suis le pasteur Lazare Ombia. Je viens précisément de la ville de Wesso, du ministère d'évangélisation de la parole de foi. Je suis coordonnateur de la communauté des églises de Christ au Congo, au niveau de la ville de Wesso. C'est une très bonne question, ma sœur. Toute réussite demande une discipline. Et quand on parle de l'autodiscipline, c'est la discipline que la personne elle-même impose pour la réussite de sa vie, la réussite de son ministère. Donc pour qu'un ministère puisse être un ministère réussi, il faut vraiment de l'autodiscipline. Ça, c'est très capital, très important pour nous. Parce que la discipline amène la réussite. Mais quand une personne échoue, quelque part, il y a eu de manque de discipline. Parce que quelqu'un échoue parce qu'il lui a manqué une information. Quand il y a l'information, la personne réussit. Mais l'information peut être là, mais il faut l'appliquer. Mais cette application de l'information, c'est ça la discipline. Donc on peut dire qu'une personne qui n'a pas imposé l'autodiscipline, c'est difficile à cette personne de réussir. La réussite, obligatoirement, ipso facto, démontre de l'autodiscipline. Sincèrement. Merci beaucoup. C'est moi qui dois vous remercier pour votre travail. Que Dieu bénisse votre chaîne. Continuez à servir pour l'avancement du royaume. Et cette chaîne bénira beaucoup des enfants de Dieu. Et on dit en conclusion, cette conférence, c'est vraiment une bénédiction pour notre pays. Parce que dans cette conférence, nous sommes en train de nous revoir. En fait, c'est juste une remise à niveau de tout un chacun de nous qui est venu à cette conférence. Je bénis aussi par cette occasion, par votre chaîne, l'hôte de cette conférence, qui est le prophète Jules Gama. Que Dieu le bénisse pour ce fardeau que Dieu a mis dans son cœur pour notre nation. Que Dieu bénisse aussi votre chaîne. Amen. Okay.